Que d'eau dans la piscine, c'était... Oh! Oh! On t'en... Ah! Oh! On t'en... Alright, alright! Oi, Takada! Zikudai! Dokudai! Sai! Zikudai! Noretemotu! Zai! Zéro naï. Hein? Daï naï. C'est. C'est naï. Non, je voulais juste te faire croire que j'allais faire ça tout le long. Ah, Seigneur, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu endurer ça. Bienvenue à Décidérez. Je pense sans blague que c'est la 250e émission. Mais je suis pas sûr, faudrait vérifier. Puis on est juste deux. On est deux. Il y a juste moi et Maxime. Imagine si t'avais été pendant une heure. Maxime. Oui. Je fais son personnage de dude japonais. C'est ça. En même temps. Ben, ouais. Je l'aime beaucoup. C'est quoi cette musique-là? Bon. Daï! Seigneur. Uragazi. Nuzuyai. Siyai. J'ai tapé Beautiful Japanese Music. C'est la première fois qu'il est sorti. Mais c'est beau, exactement. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Ben ça oui, rend c'est très beau. Ça, cette musique-là. Mais je sens quand même, j'ai réussi à ramener le panel le plus Maxime Gervais-esque. Oui, ben en effet, pu, en effet. Que j'aurais pu trouver. C'est vrai. Hey, moi, je me sentais pas jaseux en plus à matin. Moi non plus, je me suis réveillé tard. Ben, moi tout. Ma douche. J'ai mis mon cadran à 10h, puis là, tu sais, des fois, aussi. Tu dis, ah, je pourrais sauter le déjeuner, tu sais. Que j'ai sauté le déjeuner. J'ai pas de déjeuner non plus, fait que j'ai un peu mal au ventre. Bon, moi tout. Bon, c'est ça. On est tout habillé en noir. T'as aussi sorti ton t-shirt ce show. J'ai mon t-shirt ce show, peux pas voir à la maison, mais j'ai mon t-shirt de ce show présentement. Ben oui. Je le mets rarement, ben c'est parce que j'ai pas beaucoup de t-shirts, puis là c'est l'été. Ah, c'est ça. C'est ça, fait que j'ai chaud. N'hésitez pas à nous appeler, 987-3000, poste 1610. Quel est votre plus beau souvenir de ce show? Ah oui, là, la ligne va pas dérougir. Il a fallu que l'émission se termine pour qu'on se mette à m'en parler dans la rue. Ouais. Tout le long que c'est diffusé, personne. Jamais personne qui m'a parlé de ça. Ceci étant dit, on avait des super belles nouvelles brèves, Tiju, je pense. Ah, ça, clairement. Vas-y, Maxime. Ben, juste aussi rapidement, on va avoir... Ben, rapidement, je peux prendre mon temps. Ouais, c'est ça. Juste aussi, prendre mon temps, on va avoir Patrick Rozon, tel qu'annoncé, sur Facebook, mais à 11h30. Ben, ça fait qu'on va lui donner la deuxième demi-heure de l'émission. En plus, il faut que j'aille l'attendre dehors. Ouais, en plus, il faut que Maxime aille le chercher dehors. Fait que si... présente pas pour une raison quelconque, je vais être tout seul. Ça va être un beau moment. Tu vas avoir ton intimité avec le... Ah, oh, Seigneur, mais ça fait longtemps que je me dis ça, que Décidérez, ça va finir par arriver que personne peut venir. Mm. Puis ça fait ça aussi tout le temps, dans le temps du Zoufès, on a moins le temps, on a moins l'énergie. Mm-hmm. Fait que là, si on refait un show dans deux jours, d'ailleurs, fait que tu sais, les gens veulent pas non plus brûler leur meilleure chronique tout de suite, parce qu'on fait un show devant le public. C'est d'ailleurs, live. On vous invite grandement, d'ailleurs, à venir voir ce show-là, qui est le lundi le 11, mm-hmm. dans deux jours, 19h, 19h, 19h. Nous autres, on se voit quoi, une heure avant, ou?
Ben, moi, j'ai un tournage en plus pour le show de Mike Ward dans, dans l'après-midi. Bon, fait que je pourrais pas être à la pratique. Mais. Mais en tout cas, genre, voilà, c'est pas grave, on va faire ben, ça va bien aller. Ça va bien aller, ça va bien aller. Oui. Ben oui, j'ai la meilleure équipe. Quand elle est là, j'ai la meilleure équipe là, de chaque FM. Fait que... Puis là, on avait un petit message à refaire. Là. Ah oui? Ben, le gars avec son Facebook, là. Ah, oui, c'est, ben, moi, ça fait 3 semaines de suite que quand j'arrive dans le studio, le Facebook de la personne avant moi n'est pas fermé. C'est ça. Un certain Julien quelque chose. Ouais, fait que, si tu nous écoutes, parce que là, t'es chanceux. Là, t'es chanceux, j'ai été respectueux. T'es chanceux qu'on soit chaotique bon. Ouais, c'est ça, je l'ai toujours fermé. C'est arrivé une fois qu'on n'ait pas fermé le Facebook, puis j'ai comme lu les messages de la personne en onde. Ouais. Après ça, je me suis senti un petit peu mal. Ouais, non, ça, oui, c'est ça. Imagine si ça avait été des messages à toi. Ben, calice, ça allait pas ici. Ça apprécie, allez pas dans cette zone d'ombre. Hey, cette semaine, j'ai fait un live sur notre page où je faisais le casse-tête épisode 2. Oui. Épisode 2, je pense. Ben oui. Non, parce que, puis c'est ça, j'ai établi que ces épisodes-là de casse-tête que vous pouvez suivre quand ça donne, ben oui. C'est un peu comme le Bob Ross de l'Internet. Fait que c'est moi qui fais un casse-tête, on discute, c'est super zen. Et c'est ça, tout ça pour en venir, Julien, au fait que il y a plusieurs personnes qui se questionnaient sur ton écoute des Picsou. Ah, OK. Les gens se demandaient si tu les avais tous écoutés ou... Non, ben il y a 100 épisodes, hein. Oh! Ils sont pas tous sortis en DVD non plus, mais ils se trouvent évidemment, bon, de d'autres manières. Mais on avait pris le coffret, puis on a écouté les 5 premiers. Mm. Mais là, après ça, Julien s'endormait, Julien Charbonneau, qui les écoutait avec moi. Parce que tu parlais de toi. Non, ben, oui, je parlais de ma troisième personne. Julien s'est mis à s'endormir. Là, Julien s'endormait. Parce qu'on avait mangé du Saint-Hubert, c'était bien bon. Et dans le village, lundi et mardi, le Saint-Hubert, c'est 6$ pour emporter. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher, fait qu'on a ramené ça. On a écouté les 5 premiers, mais tu sais, bon, hein, Picsou, des fois, il y a des choses qu'il faut laisser derrière nous, hein. Ah ouais? Ben, il y a des choses qu'on a c'est pas mauvais, mais ça a été fait en 87, là, quand même, là. Puis on parle d'animation pour la télé et tout ça. Alors, bon, c'est pas si divertissant, ouais. Fait que là, le robot est pas arrivé. Le robot est pas arrivé dans les 5 premiers épisodes, il arrive genre au 70e, là. Puis, bon, fait qu'on a écouté ça, puis on a écouté les derniers. Mais c'est pas clair, en plus, c'est lequel le dernier, le guide d'épisode en français et en anglais diffère. Oh. Fait que t'es pas sûr c'est lequel le dernier. Ben, on j'imagine écouté... que c'est en anglais. Ouais, mais ça a pas été... Parce que finalement, je pense qu'il y a pas vraiment de finale. Mais en tout cas... Comme c'est ça, il est plus riche. Ah! Non, mais il aurait pu avoir... je suis sûr qu'il est pas vraiment... Tu peux vraiment faire de finale à Picsou, mais il aurait pu avoir un épisode plus spécial, un épisode genre un mariage. Ah, ouais, ouais. Genre ouais. De quoi, là, tu sais, pour... Mais Picsou non, se suicide. Ouais, genre... Ben, il y avait un épisode, c'était comme Scrooge Last Adventure, puis là, c'était Picsou qui pense qu'il est malade. Ah. Finalement, elle ne l'est pas, ben, spoiler alert. Puis, d'ailleurs, il rentre dans un ordinateur. Ça date quand même, ça date de 90. Oh. Fait que c'est pré-internet, hein, fait que c'était assez audacieux. Puis, ben, c'était post-trom, en tout cas. C'était genre dans le bout où Bill Gates était bien hot, là. Ouais. Fait que là, mais finalement, à la fin, il apprend qu'il est pas malade. Mais tu vois quand même un Picsou serein face à la mort qui donne son argent à ses... Mais tu sais, c'est pas super bien écrit, là. C'est pas hot, là. Ça dure pas 3 heures, là. Non, c'est pas genre... C'est pas comme dans Toy Story 3 quand ils se prennent la main dans le fourrailleur puis ils vont mourir puis on pleure, là. C'est pas bon de même. Moi, l'autre fois, tu m'en parlais puis je me suis rendu compte qu'il y a full de noms que je me souvenais pas, genre Géo trouve tout. Ben, je trouve tout, c'est le poulet, hein, en tant que. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est un poulet. Quand je suis jeune, tu faisais pas la distinction entre les oiseaux, là. Ben, le vieux, tu réalises, ah, ok, Flagada Jones, c'est un pélican. Ouais, ouais. Mais bon. Je trouve tout, je sais pas, là, c'est peut-être une noix. C'est peut-être une noix, ouais. C'est un poulet, mais... Ben, bon. Écoutez, si vous avez une opinion c'est ça. Par rapport à ça, appelez-nous, 987-3000, poste 1610. Quel est votre épisode préféré de Picsou? Et voilà. Voilà. Autre nouvelle brève. Vas-y, mon chum. Ouais, la célèbre émission Célibataire et nu. Célibataire et nu. Beaucoup de demandes pour que je participe à ça. Je sais pas pourquoi. Vous me voyez pas souvent nu, les amis? Ben, et pourtant. Et pourtant. Mais là, ils ont finalement trouvé leur animatrice vedette qui est, j'ai plus le nom devant moi. Je pense que c'est Marina Bastarache. Ok, je la connais pas. Ancienne danseuse de Céline Dion. Ah ouais. Et puis elle était à Codef. Fait que, moi, j'ai l'impression que tu vas pouvoir la rencontrer bientôt. J'ai peut-être l'impression. Là aussi. Mais t'es-tu inscrit à ça? Je suis pas inscrit. Non. Bon. En tout cas, on verra à suivre. Mais j'étais pas sûr, hein. Parce que je me dis, est-ce que je vais être le gars qui est connu pour faire des télé-réalités? Ben. Ben, en même temps, ça m'occupe, là. Ben, c'est ça. Sinon, je voulais primer à la maison, en fait, tu sais.
Écoute des pixous. Écoute des pixous au moment du poulet, pis c'est comme le meilleur moment de ma semaine. Là. Fait que vous comprenez c'est quoi ma vie maintenant, là. Mm. Fait que peut-être je vais le faire. Puis aussi, bon, est-ce que j'ai envie d'être nu? Ouais, c'est ça. Je veux-tu être connu comme le gars qui est tout le temps nu? C'est nu. Parce que je veux pas, c'est tout le monde te demande... Bon, en or. Oi! Zigadai! Zurek! Surugadai! Ok, c'est tout. C'est juste une petite blague. Moi, c'est juste une petite blague. C'est juste une petite blague ben, japonaise. C'est excellent, mon chat. Pour tous les Japonais qui nous écoutent. Ouais, ben, fait que c'est ça. Fait que bon, tu veux Japonais, pas... Japonais à nager. C'est deux chiens qui se regardent, ils font Japon. Japonais pas tantôt, mais là, Japon. Petit galaderie. C'est Billy Bibou. Ah, c'est-tu klaxon? Mais non. Non, ok, non. Ah. Je remercie Guillaume Boldoc qui m'a envoyé une nouvelle brève. Oh, ben oui, non, Boldoc. Je sais pas si tu nous écoutes. Ouais, envoyez-nous vos nouvelles brèves. Qui provient du sac de chips, on les salue. Beaucoup de collaborateurs de Décideret au sac de chips. Le dernier film d'Emma Watson récolte $79 au box-office. Comment? Emma Watson ne doit pas la trouver drôle cette semaine. La star de Harry Potter, qui a l'habitude de participer à des productions rapportant plusieurs millions de dollars lors de leur premier week-end de sortie, vient d'avoir une douche froide avec la sortie de son récent film The Colony. Le film qui se déroule au Chili était d'abord et avant tout destiné pour un site de vidéo sur demande, mais à la dernière minute, les distributeurs ont pris la décision de le mettre sur grand écran. Oh. Mauvaise idée. The Colony a récolté $79 canadiens lors de son premier week-end de sortie. C'est environ 4 personnes qui sont déplacées pour voir le film en salle. Hey, bah boy, mais ça parle de quoi ce film-là? Et il dit, d'ailleurs, on s'en sait qu'il dit le dernier Harry Potter avait généré des revenus de 23 millions lors de son dernier week-end. Mais ah, c'est ben beaucoup plus que ça, en fait, mon cher Jordan Dupuis. Ah, fait que là, à qui est-ce qu'on peut se fier? Ben, à moi. Ah, ben, ouais, c'est ça. J'amène dans ma touche. Fait que c'est malheureux. Je vais aller voir ça, je vais googler. The Colony. Alors, box. Pendant ce temps-là, pendant que tu cherches, je vais raconter une petite blague japonaise. Ouais, vas-y. Celle-là est pour Boldoc, vu que c'était son anniversaire. Bonne fête, Boldoc. T'as un peu. Ok. Pour toi, Boldoc. Zoi. Ziragabadoui. Ngai. Zorai. Ilek. Zoi. Ziurai. Zotari Nanoi. T'as-tu trouvé ou? Hein? C'est sûr que quand on est deux, hein. Faut... Ben, y'a pas d'ambiance. Surtout quand les deux, on avait rien préparé. On meuble. Ben oui, moi, je m'attendais à arriver, genre, pis qu'Étienne Forêt a comme. 40 minutes de... Ben ouais, c'est ça. Ben, il y a des semaines comme ça, les amis. Puis comme je disais, ben, on garde nos bonnes chroniques pour le show live dans deux jours. Fait que là, on a... Ben... Écoute, Patrick Rozon, j'ai demandé aux gens s'il y a des questions pour lui. Oui. Comme de fait, c'est d'horribles questions. Mm-hmm. Fait que je ne vais pas lui poser. Mais on va pas les gaspiller, je vais les poser à Maxime. Ah, bon. qu'est-ce que t'en penses? OK. Ben, alors voilà, alors Luc Côté demande, quand est-ce que je vais être payé? Je sais pas, Luc, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, man. Je sais pas, Luc, ce que tu fais. J'ai d'ailleurs écrit à Luc pour l'avoir à l'émission. J'espère qu'il va accepter. Ouais, humoriste. Humoriste de la relève. Ben, de moins en moins de la relève, finalement. Ben oui, ben là, il est rendu plus loin que les soupers spaghettis. C'est ça. Pour croire. Max Taillon dit, si la fée des dents était vraie, la frapperais-tu dans les dents pour pouvoir vendre ses dents à elle? Si oui, crois-tu que c'est de la fraude? Non, ben, je ferais pas ça, là, non, mais juste de la fraude. Ben, c'est pas de la fraude, là, c'est juste. Alors, vous comprendrez que je demanderais pas ça à Patrozo. Ben, non, c'est ça. C'est comme, on est chanceux de l'avoir, puis. Ben, non, je ferais pas ça, là. Voyons, frapper la fée. Frapper une fée à la base, là. Ben, il me semble, en plus, ça prend des petits points. Ça, tu vas pouvoir me répondre, Julien. Est-ce qu'une fée est automatiquement gentille ou il y a des mauvaises fées? Je présume que des mauvaises fées doivent porter un autre nom. Ouais, c'est ça, hein? Je pense que des fées, c'est gentil, je pense. Mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis pas un spécialiste des fées, je tiens à le dire. Non, c'est ça. Peut-être que je me trompe. Mais selon moi. Mais je crois que Dominique a fait une chronique sur les fées. Ah, sûrement. J'ai une question pour toi, Julien. Ouais, ouais. Là, j'ai. Ouais. Ouais. Là, ça fait deux jours dans le métro qu'il y a full de personnes du Comic-Con. Ouais. Là, je me demandais, on a déjà su que t'avais un faible pour les filles clowns. Ouais, ouais. Qu'en est-il des cosplayers? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas mal hot, là. Mais tu sais, c'est commun, là. Mais on veut pas... tu sais, faut pas tomber là-dedans, hein. Faut pas... Non. Tu sais, les filles peuvent s'habiller comme elles le désirent. Ben oui, en sans, effet. Sans se faire harceler. En effet. On parlait de goût, là. Mais c'est ça, tandis qu'il y en a qui sont crissement vendantes, là, c'est sûr, là. Non, ben, tu sais, genre, une fille qui a un costume de Green Lantern en latex, là, supposons, là, tu sais, c'est quand même... c'est quand même hot, là. Non.
Mais ça, je vais pas. C'est pas tant dans cette optique-là que je t'ai posé, mais c'est correct. Mais je vais pas l'aborder, tu sais, je vais la laisser. Non, ben oui, ben oui, on parle de quatre calls, évidemment. Non, non, non. Non, correct. Mais es-tu plus fille clown ou fille Comic-Con, mettons? Ben, d'abord par fille clown, là, je vais le préciser de nouveau. Oui. Là, on parle de, tu sais, dans le fond, c'est un peu les... T'es celle qui a un look un peu clown gothique, là. Pas clown, clown, là. Clown gothique? Ben, pas clown du carrousel, là, tu sais, là. Non? Non. Je pensais que c'était ça, moi. Non, c'est plus, tu sais, un peu clown goth, là. Genre Harley Quinn? Ouais, Harley Quinn, ça, tu te trompes pas. Mais en même temps, là, on est rendu dans Comic-Con, là, si on dit Harley Quinn. Là. Ah, bon. C'est peut-être le... C'est peut-être ça, ouais, j'avoue. C'est peut-être ça qu'il te faut. C'est ça qu'il me faut. Exactly. Mais ils sont pas de même, ils sont pas habillés comme ça sur Tinder. Mais écoutez, si vous êtes une fille clown, gothique, appelez-nous 987-3000 poste 1610. Ben oui, puis on vous raconte une bonne blague en japonais. Oui, et voilà. Ensuite, Daniel Silva Herrera. Oui, ah oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi le pape François n'est pas au ZooFest? Il faut le challenger. OK. Oui, ben, oui. Moi, je l'aime bien, le pape François. J'ai déjà vu un moment donné, il fait un truc, là, il arrive près d'une table, puis là, il y a plein d'objets, là, religieux, puis là, il prend la nappe, puis il tire la nappe, là, comme le tour de magie, là, il fait hop, puis ça marche. J'ai fait ça? Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Puis il y a tout comme les hautes instances, là, du clergé qui le regardent, puis sont comme Ça, je dois admettre que ça le rend automatiquement un peu cool quand même. Il fait de la moto, là. C'est sûr qu'il représente. Il fait de la moto. Oui, il fait de la moto. Ben oui, je connais le pape François. Ah, non, il est vraiment cool. Sauf que, tu sais, c'est ça. Il représente un club de douchebag. De vieux pédos. C'est sûr. Jean-Michel Daou qui pose la seule question qui est pas si pire. Bon. Victor, la mascotte de Juste pour Rire, c'est supposé représenter quoi? Bon, je tiens que ça représente Gilbert Rozon, en fait. Il y a le nez de Gilbert Rozon, ouais. Victor. Ah, ben voilà, un petit démon vert. Un petit démon vert. Un petit démon vert avec... avec un petit nez. C'est Gilbert Rozon qui fait le « Maman, c'est fini! » Ah oui. À la fin, ouais. Puis c'est, je crois, Serge Fiori qui fait la toune aussi. Serge Fiori qu'on a déjà eu à l'émission. Par ailleurs. Ben oui. Effectivement. On a reçu du monde. Luc Morin demande « As-tu un frisson lorsque tu finis d'uriner? » Ah, moi, oui. Toi aussi? Okay. Hey, d'ailleurs, là, ça, faut que je le dise. Tu sais, Mathieu Niquette, c'est un grand fan de bains. Il prend toujours des bains. Ah, on prend toujours un bain pour le... Sauf que là, tu sais, moi, quand je me lève le matin, comme n'importe qui, j'ai une bonne envie. Fait que ça fait en sorte que là, faut que je cogne à la porte. Puis là, je dis, est-ce que je peux rentrer? Puis là, oui. Puis Mathieu, il est dans le bain. Puis moi, je fais mes affaires à côté. Okay. C'est des beaux moments. Puis parce qu'en plus, à cause de son bain, il y a comme une humidité qui est dans l'air. Ouais. Fait que ça fait comme un moment. C'est assez homo-érotique, mais c'est pas désagréable, en fait. Non, ben, il y a beaucoup d'humidité dans l'air quand un nous est dans la pièce. Oui, voilà. C'est sûr. Christian Hamel demande « As-tu peur que les méduses prennent le contrôle du monde? » Oui. C'est une référence à la chronique légendaire de Judith. Et la réponse est oui. Oui, c'était assez peurant. En fait, c'est dans le top 3 des chroniques de Destier Déré, là, qui a marqué les esprits avec l'homme aux deux pénis. Daniel Sylvia Herrera, toujours. Si je te dis Margaret Thatcher, t'as le goût de manger quoi? Des biscuits soda. André-Philippe Doré demande « C'est quoi ta couleur préférée? » Bleu. Marc-André... Bleu, comme le Québec! Québec libre! Marc-Alexandre Allais demande « Ça est ça, bien sûr. Ça sert à rien de lui poser des questions, il a toujours Roson. » Mais bonne, mais bonne. Oh. Guiniquette demande « Question existentielle, les Pats ou les Bills? » Allez, les Pats! Ça, c'est des... Mais ça, c'est parce que Guiniquette... C'est ball, ça, je présume? Ouais, c'est ça, c'est parce que chaque année, ils se font un voyage où ils vont voir un match de foot. Okay. Dont Niquette fait partie. Là. Ah oui. C'est ça, le club du foot. Hein. C'est ils sont très proches. Hein. Bon, salut Guy, on t'aime, le père de Niquette, bien sûr. Benjamin Bourdonnais dit Con Air, Nick Cage. C'est pas tant une question, ça, Benjamin. Mais Con Air, c'est bon. Con Air, c'est bien. Marc Larchevêque demande qui gagnerait un combat entre Steven Seagal avec des crochets au lieu des mains ou Bruce Willis avec des étoiles de ninja? Des crochets à la place des mains. Ça a des avantages. Bruce Willis pour attaquer à distance, déjà. Ouais. En partant. Ouais, c'est ça. Je dirais Bruce Willis. Puis surtout que Steven Seagal, lui, pratique l'aïkido, qui est dans le fond de prendre la force du coup de l'autre pour le retourner contre lui. Ouais. Mais par contre, Steven Seagal sait se battre pour vrai, contrairement à Bruce Willis. Ouais. Ben là, c'est soit Bruce réussit son headshot ou. Ouais. Puis s'il y a quelqu'un qui vieillit bien, hein, Steven Seagal. Ben... Non, il est rendu comme gros. Ouais, ouais. On l'a vu d'ailleurs dans la dernière saison de South Park. Il semble qu'il y a toujours des trench coats en serpent. Là. Il joue du blues. Pierre-Luc Delisle demande « T'es-tu poilu? » Hashtag poilu life. Ouais, je viens d'une famille de poilus, moi, mon chum. Yes, sir, mon chum. Mon oncle Guidou, là, tu devrais avoir ça. Mon oncle Guidoun. LM Rousseau demande « Es-tu plus mi-fugue ou mi-raisin? » Mi-fugue? Fugue? Fugue, ben...
Comme le magasin. Comme l'expression mi-fugue, mi-raisin. Ben, je veux dire, je suis plus raisin. OK. Jason Bouchard demande Pikachu ou fromage suisse? Fromage suisse. Ouais, moi aussi. Louis-François Côté demande c'est quand que les animaux arrivent? Je comprends pas cette question-là, mais je l'aime bien. Zoofest, j'imagine. Ah, maintenant, je la comprends, je l'aime moins. Vincent Bulli, je fais ça comme, je fais ça comme, comme Dreadum, complètement absurde. Ouais. J'adore. Vincent Bouletta, oserait-il entrer dans la chambre des maîtres? Ça fait référence à mon souhait parce qu'il est parfait. Ouais. Vincent Martineau, es-tu le fils à Franck? Oui. Oui, tu rentrerais dans la chambre des maîtres. Oui. Ben oui. Ben oui. On a toujours raconté en ondes l'origine de cette phrase-là? C'est-tu game de le faire? Ben oui, je pense qu'on peut. Là, moi, c'est ça, moi, j'ai dit ça à un super parfait, on se souviendra. Et c'était une inside joke pour mes amis, les Picbois, en fait. Ouais. En fait, quand on faisait de l'impro d'Homme Pimo au cégep, il y avait un gars qui était malheureusement vraiment pas très bon en impro. Puis c'est ça, quand il rentrait, c'était genre pour parler sur l'impro, il levait la main pour avoir le droit de parole. Puis là, maintenant, il y a un gars, tu sais, un espèce de. Un passionné de théâtre, là, un gars super imposant, charismatique, rare, ouais, c'est ça. Tu sais, même plus proche du Depardieu, là, quasiment, ouais. Là. Puis là, lui, il essaie de le réveiller, ce gars-là, tu sais, fait qu'il dit « Prends ta place, à un moment donné, les deux embarquent sur l'impro en même temps. » C'est comme le moins bon improvisateur avec le meilleur. Genre. Ouais. Puis là, t'as le disons, appelons-le David contre Goliath, là. Ouais. Là, t'as comme le moins bon que là, il décide, tu sais, déclare, puis il saute sur l'autre en y pognant les seins. Puis tu sais, le gars, il est assez, disons, gros, là, il est vraiment, il est gros. Fait que là, il se fait pogner les seins par le gars. Puis là, tu fais « Bienvenue dans la chambre des maîtres! » Après le match, t'avais... Donc, il dit « Ça, tu fais plus jamais ça! » Puis l'autre, il pleurait. Ah, c'est merveilleux. « Tu fais plus jamais ça. »« Tu fais plus jamais ça. » Alors, c'est l'origine de « entrer. Oseriez-vous entrer dans la chambre des maîtres? » La chambre des maîtres. J'ai tellement ri quand t'as dit ça, un souper presque parfait. Enfin, ouais. Je sais pas si la personne concernée... Ben, lui-même ne doit pas s'en rappeler, honnêtement. Tu sais. Non, c'est probablement moins marquant pour lui que ça l'aurait été pour ceux qui ont vécu ça. Eric, eh boy, dit « S'il était un condiment, lequel serait-il? » Alors toi, Maxime? Moi, de ketchup. Christian Landry, aimes-tu mieux être un Manitou ou un Matou? Parce que j'ai dit que c'était le grand Manitou de, je suppose, du fest. Ah, un Matou, moi. Ouais, imagine. Bon, oui, c'est plus noble. Charles Beaulieu, quelle est ta couleur favorite? T'as déjà demandé, Charles. Charles, on l'a déjà demandé. Là, maintenant, suivez, là. Kevin Bonneau, si t'étais pris sur une île déserte et que tu trouvais un génie qui t'offrirait un vœu, tu choisirais quoi? Donner des petits becs mouillés sous les aisselles de Donald Trump ou sentir le fond de culotte de Louis-José Hood après 2 heures de show à Rawdon? Le Donald Trump. Ouais, ben, ça serait juste à la limite que les becs mouillés, c'est moins pire que sentir le fond de culotte. Ouais. Pipi, ou c'est rencontrer Donald. Ouais, il y a ça aussi, c'est plus spécial que je dirais Donald Duck! C'est moi, klaxon! Mon klaxon est là! Je viens de la pâte à modeler. Tu viens de la pâte à modeler? Oui! Oh! Oh, salut klaxon. Bonjour Julien. Ça va? Oui. Je viens de la planète Mars. Oh, dans la pâte à modeler. Veux-tu du shampoing? Oh. Oui. Oh, des belles balloons. Des pizzas. Stéphane Bolduc demande à quel personnage loufoque veux-tu parler au téléphone? Klaxon. À klaxon? Ben, c'est quoi cette question-là? Pierre Boulanger ici qui va de 5 questions de suite. Hey, amen. Et peux-tu me vendre une 5 de weed? S'il te plaît, j'ai vraiment envie de fumer. Non. Y a-tu du speed? Non. Allô, tabarnak, y a-tu quelqu'un qui va me répondre? Hein? Et 6 points d'interrogation. Quoi? Pierre Boulanger, penses-tu réellement que j'allais poser ces questions à Patrick Rozon? Là, les gars, là, y a plus de... Non, pas de rigueur, là. Et Marc-André Viau, le sens de la vie, c'est à gauche ou à droite? C'est les deux en même temps! C'est... Ouais, mais sais-tu, je suis en train de me dire, là. Mettons, là, on est juste deux, mais ça peut pas être pire que l'émission de Nicolas Marianne seul. Ouais, qui est quand même, je dois l'avouer, mon émission préférée de Décideret, là. Ben, c'est quelque chose, ouais, on l'aurait écouté, puis c'est. Ben, c'est ça. Ben, c'était, ouais, avec Nicolas qui parle de politique thaïlandaise pendant 20 minutes et Marianne ne parle plus. Ah, là, moi, faudrait que j'aille chercher Patrozon dehors. Bientôt, il reste une question. Oui. Marc-Henri Viau, toujours. Vas-tu aller voir le show des auteurs du 12 au 20 juillet au ZooFest? Chaque soir, c'est des auteurs différents. Ça va être super bon. Ah, je recommande à tout le monde d'y aller. Ah, pas d'y aller. Mais ouais. Je vais pas voir beaucoup de shows. Non, mais pas là, non pour plus. Vrai, c'est ça qui arrive. Je vais voir mes amis. Tu sais, ça, tu finis, t'es fatigué. Puis, tu sais, à un moment donné,
c'est ça, mané, la musique de l'humour, disons. Ouais, on, tu sais, on l'a entendu, puis là tu finis, t'as juste ça dans la tête, puis tu veux aller chez vous faire un casse-tête là. Ça ressemble à ça. Ça y arrive, puis t'es filmé. Mon beau casse-tête. Oh. Fait que c'est ça. Alors voilà. Alors ben vos questions donc, j'espère que vous comprendrez pourquoi je ne les ai pas posées à Pat. Ouais. Je ne vais pas demander, t'as-tu une 5 de weed? Fait qu'on les a quand même posés, fait qu'ils sont pas perdus et ça nous a occupés pendant 20 minutes. Maxime doit aller rejoindre Pat. C'était, tu sais, c'est où? Ouais, ben coin Sainte-Cat, Saint-Denis. Je présume que c'est là. Fait que là, ça va te laisser, c'est un beau moment d'intimité. Ben là, c'est sûr que là, je vais mettre une toune. Ah! Ben là, tu pourrais te livrer, là. Je suis sûr que le monde aimerait plus que tu te livres que tu jases. Ben, vous considérez pas que je me livre déjà beaucoup? Non, mais tu jases un peu, là. Ben oui, mais de quoi tu veux jaser? Ben je sais pas, moi. C'est personne qui peut me relancer. Des états d'âme, de la poésie. Je sais pas si vous voulez entendre mes états d'âme. Bon. Ils sont, en tout cas, mais je vais mettre une toune, mais anyway, y a des très bonnes chances, même si Pat est là à l'heure, là, que tu sois pas encore revenu à 11h30. Ouais, fait que, tu sais, à ce moment-là, je vais essayer de jaser un peu. Bon, ben avant d'y aller, je vais te faire mon imitation de Jake Dion. Vas-y. J'ai le goût de manger. Ben merci beaucoup Maxime. Ok, j'y vais, on s'en va tantôt. On s'en va tantôt et nous on va continuer en musique avec Holiday et la toute bonne nouvelle. Et si tout se porte bien, il y aura une très bonne nouvelle. À tout de suite Maxime, il y aura Patrick Rozon, grand Manitou du Zoufest, qui sera parmi nous. Je suis seul présentement, c'est la première fois en 250 émissions des CDR que je suis seul en studio. C'est plus difficile, hein? C'est pas de quoi parler parce qu'il y a personne pour te relancer. C'est sûr que je pourrais aller checker le box-office. On va aller voir. Alors, si je tape box-office. Le site qui est le box-office sort en premier, c'est deadline.com. Alors, on va aller. Puis, je peux encore aller voir. Mm-hmm. Secret Life of Pets. Rentré très, très fort. Rentré avec 97 millions. Je me souviens que la semaine passée, j'ai dit qu'il rentrait à 275. Il va faire au moins ça. Très bon. Numéro 2, Finding Dory, avec 20 millions. Rendu à 422. Numéro 3, Tarzan, avec 18 millions. Rendu à 80. C'est vraiment passé pour un film qui a coûté 180 millions, mais c'est plus que ce qu'on pouvait s'attendre. Mike and David Needs Wedding Dates est rentré avec en quatrième position avec 17 millions. J'avais prédit 50, qui ferait 50 au total la semaine passée, et c'est pas mal exactement ça qui est en ligne pour faire, donc 2-2, bravo Julien. The Purge, j'ai fait un cauchemar que j'étais dans The Purge hier soir, mais comme une version vraiment ultra gore, violente, que j'étais pogné dedans, je reçois des coups de couteau, c'est l'enfer. The Purge Election Day, en cinquième position, il a fait 12 millions, il est rendu à 58, il devrait en faire 75, qui en ferait qu'il va faire plus que le 2, qui lui-même a fait plus que le 1. Alors, c'est une franchise qui est bien en vie, et le film a seulement coûté 10 millions, il va en faire 75, tu sais, faites le calcul. Central Intelligence avec The Rock est rendu à 108 millions, il est en sixième position avec 8 millions, il devrait faire vrai 120, il a coûté 50, c'est un beau succès, j'imagine même peut-être qu'il doit envisager un 2. C'est pas 120 millions, c'est pas énorme pour un film d'été, mais c'est un bon succès. Par contre, on ne peut pas en dire autant de BFG, dernier film de Steven Spielberg pour Disney, qui est rendu à... Là, il est en 7e position avec 7 millions. Il est rendu à 38, ils vont en faire 50, 60, donc coûter 140. Alors, un gros flop, un des gros flops cet été. Seulement, Disney n'est pas en reste parce que Finding Dory est le film qui a fait le plus d'argent au box-office domestique à partir de la fin de semaine, dépassant Captain America, qui était de Disney aussi. Zootopia a fait 1 milliard mondialement. Fait que ça va bien, là. Ils ont deux flops cet été avec The BFG et Alice au Pays des Merveilles 2, mais c'est compensé par l'immense succès des autres films, et aussi du dernier Star Wars, qui sort dans le temps des fêtes, qui va faire lui aussi au bas mot 1 milliard au box-office mondial. Independence Day Resurgence, en 8e position, est rendu à 91 millions, avec en fait 7 en fin de semaine, il va en faire de peine et misère 100, il a coûté 160, le 1, il y a 21 ans, en a fait plus de 300, alors c'est pathétique, malheureusement. Malheureusement pour les gens concernés par ce film-là. En 9e position, The Shallows, le film de requins, là, qui a l'air que c'est pas pire. Rendu à 45 millions, on va en faire 50-55, il a coûté 17. C'est un petit succès surprise, on va l'avoir tout oublié dans 2 ans, mais c'est un petit succès surprise. Voilà, c'était le box-office. Alors, on va continuer la musique, donc, avec, comme je disais, là, Holidays et Bonne Nouvelle à DCDR, en espérant qu'au retour, Maxime va être avec Patrick Rozon.
lâchez-moi ça, vous autres. Ben, Maxime est là, il est revenu. Oui. Avec, t'as trouvé quelqu'un dans la rue, c'est j'ai trouvé monsieur Patrick Rozon. Patrick Rozon, président, directeur général. Président. T'es-tu le président, pour vrai? Non, non, je suis pas le président, je suis le directeur général et artistique. Ah, ben c'est moins stress, tu sais. Ouais, ça a l'air. Président, c'est trop gros, tu sais. Ouais. Je roule encore en Ford, là. Peux-tu aller où, peux-tu aller où tu veux sur le festival ou. Oui, 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 ça, oui, par exemple. Ouais, j'ai la passe tout accès. Hein? Ouais, ouais, ouais. La Golden Pass? C'est la, ouais, c'est ça, c'est la Golden Pass pour tout le monde. L'as-tu ouais. payé ou. Ah, ouais, non, j'économise toute l'année. C'est ça. Pour être certain de l'avoir, puis après ça, à la fin, je peux me payer. Mais qu'est-ce que tu fais le reste de l'année quand c'est pas le Zoufest? Ah, je reste chez nous. Chris, meilleure vie, même. Vous le travaillez 24 jours par année dans le sens. C'est hot. J'aimerais ça. Ben, si vous cherchez quelqu'un pour vous remplacer, me donner. T'es libre? Ouais, ouais, je suis libre. Ça ben, tente? Écoute, oui, ça me tente. Tu serais bon en plus. Tu penses-tu? Ah, oui, je pense que oui. Ben, je pense que oui. Ben, oui, je pense que je serais bon, oui. Un des meilleurs frontmen. En fait, je pense que je pense à toi comme porte-parole l'année prochaine. Ah oui? Je pense que ce serait cœur. Y a-tu un porte-parole, là? Non, y a pas porte-parole. OK. Ben, c'est moi le porte-parole, en fait. Ah, bon, ben, t'es aussi porte-parole, en plus. C'est ça, je suis tout en même temps, tu sais. Ben, ben, on en reparlera. Non, non, absolument. Je serais très intéressé. Je pourrais. Faire des vlogs. Oui, oui, je pense que oui, des vidéos, des vlogs, puis ça pourrait... Des montages photos. Oui. Faire, faire la bouffe. Juste non, c'est vrai, c'est vrai. Ça me ferait plaisir. Mais juste ton nom aussi, tu sais, juste ton nom ferait en sorte que, écoute... Ah, ça fait vendre des billets. On en vendrait des tickets. Watch out le show de Décideret dans deux jours, tu vas venir voir ça, hein? Ah oui, 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 absolument, c'est absolument. Ça, je suis là. Oui, c'est je suis vraiment content. T'es déjà accro à Décideret. Oui, c'est ça. Alors, Patrick Rozon, on est très content de t'avoir parmi nous. T'es venu avec ton t-shirt de Trekkie. Yeah. Oui, absolument. Moi, je suis un fan de Star Trek. Le prochain film sort dans deux semaines. Fait que je suis vraiment content. Je suis tout excité, en fait. Je te pose la question. Es-tu plus ancienne génération de films de Star Trek ou les nouveaux? C'est ton... Oh, c'est une très bonne question. Ah, moi, je pense que je suis plus ancien. J'aime les nouveaux, là. Ouais. Mais je pense que je suis plus ancien, tu sais. Mais moi, je suis vraiment à la catégorie de Next Generation. Ah oui, oui. Ouais, mais c'est les meilleurs. C'est... Dans le temps que je me cherchais des amis, c'était eux autres mes amis. Fait que j'étais vraiment content. Captain prenais... Wolf. Ouais, c'est ça. Captain Wolf. Je me prenais pour Jean-Luc Picard. T'sais, je me rappelle que j'avais été dans une convention. À Montréal, à un moment donné, le Star Trek, c'était un peu fou. Puis je me rappelle que j'avais acheté, je sais pas pourquoi je l'ai encore en fait, c'est une espèce de photo de Jean-Luc Picard, mais qui est comme gravée dans une espèce de pierre. Puis j'avais ça, puis en fait, ça a été long, j'avais des amis à cause de ça, en fait, parce que j'avais ça sur mon bureau à l'école, puis je comprenais pas pourquoi j'avais pas d'amis, puis à un moment donné, je l'ai enlevé. Ouais, puis je lui ai dit, chez nous, c'est correct, mais à l'école, peut-être moins. Les gens ont commencé à parler. Ouais, à quel âge j'ai eu tes premiers amis? Mes premiers amis. Ouais. Écoute, je pense que ça a été en sixième année. Officiellement. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai des amis de jeunesse. Là, j'ai des amis de jeunesse. Là, t'sais, que, t'sais, encore un que je suis encore ami qui vient à Zoufest encore souvent. Il tripe bien tête. Il me suivi dans tout ce que j'ai fait. Ah fait oui. Que, ouais, ouais. Comment il s'appelle? Jocelyn. Jocelyn Brunette. Ah, Murphy Cooper vient d'arriver. That's it. Ça rentre au fur et à mesure. Ouais, ben c'est ça, Décideret. Connais-tu Murphy Cooper? Non, je n'ai pas Murphy Cooper. Comment ça va, Murphy? Ça va bien, toi? Yeah, en forme? Oui. Yeah, salut. C'est ça. Ben Murphy est très, très connu. Oui? Oui. Puis, hein? Hein? Oui, ça va, mais mettez tes écouteurs. J'entends rien, Julien. OK, bon, ben, c'est pas grave. C'est, ben, c'est ça, d'essayer des raies. À quel âge tu as eu tes premiers amis, Murphy? Ben, 5 ans. Ah, t'as-tu encore ami avec? Mais pourquoi tu me poses ces questions-là? Ben, en tout cas, fait que reste-toi. Fait que... C'est pour moi l'invité, là. Non, je sais. Ouais, mais moi, j'avais répondu, fait que c'est à ton tour. Non, ben, je pose la question à tout le monde. Fait que là, écoute, voyons voir. 8e édition du ZooFest. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis les 8 éditions? Ben, moi, c'est ma 2e édition en tant que directeur général et artistique. Je te dirais que... moi, je pense qu'il a grossi beaucoup le ZooFest. Puis quand je suis arrivé, ZooFest avait un côté très underground, très niche. Ouais. Ce qui était très cool. Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, ben, ça fait 6 ans qu'il est comme ça. Fait que là, quand Gilbert est venu me chercher, il a dit, ben, veux-tu le prendre? Veux-tu t'en occuper? Je vais, ben, si j'avais fait, faut me donner une carte blanche parce que je veux le bouger. Sinon, il est bien comme ça, mais comment tu fais pour l'expandre? Ouais. Fait que quand je suis arrivé, je dis, ok, bon, on l'installe. Fait que c'est là qu'on a créé la série Ben Voyons Donc. Parce que mon but, c'est de dire, comment je fais pour. Que ça reste, il y a un côté underground, le fun, que tu sais, tu peux venir en short, puis venir voir les shows, puis d'en voir 3 par soir. On peut y aller en short? Ouais, okay. Il paraît que oui. Il y a un nouveau dress code, en fait, sur le site web. Puis qu'en même temps, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir des partenariats, puis grossir ça, plus de visibilité, pour aider tant la relève, mais que des stars qui peuvent venir aussi. Parce que l'image qu'il y avait avant ZooFest, c'était vraiment, c'était le club-école de Juste pour rire, tu sais. Ouais. Moi, ça me faisait un peu chier. Je me suis dit, là, j'ai envie de changer ça un peu, tu sais. Je veux que ce soit un festival à part entière. Fait que ça a commencé par
créer nos propres partenariats, tu sais. Ouais. Nos propres commanditaires, propres partenariats, propres éléments, pour vraiment se détacher de ça. Puis d'avoir des gens comme Sugar Sammy, Joël Legendre, Gilbert Rozon qui fait un show, etc., faire, aider la relève en même temps en termes de visibilité aussi. Ouais. Fait que c'est là que ça crée vraiment une belle chimie, tu sais, pour vraiment l'expandre. Mais certains pourraient dire justement que c'est de moins en moins un festival underground, que ça, le, ça va prendre un ZooFest du ZooFest. Parce que. Un off ZooFest. Un off ZooFest. Parce qu'au ZooFest, il y a des Joël Legendre, des Gilbert Rozon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, l'année passée, quand j'avais créé cette série-là, au début, les gens étaient très réticents à ça, là. Tu sais, ils disaient comme, OK, Moi, je trouve ça cool. Non, mais c'est ça, mais moi, j'aurais dit, ben, attendez, parce que moi, j'ai l'impression qu'on va lâcher une nouvelle clientèle. Ouais. Parce que tu sais, là, t'as comme, mettons, t'as comme 100 000 fans, 80 000 à 100 000 fans vraiment hardcore qui venaient. Ouais. Puis là, tu commences pour l'augmenter à 200, 250, puis une autre clientèle qui vient. Fait que là, le festival peut juste grossir, mais tu perds pas l'énergie underground, mais t'as d'autres types de clientèle qui viennent aussi, tu sais. Puis je pense que là, on est en train de trouver cette belle balance-là, tu sais, cet équilibre-là que le show est à 7 heures, il est pas à minuit. T'as encore d'autres shows, t'as encore l'autre gang qui viennent, tu sais. Ouais. Fait que tu réussis dans la programmation à bouger ça un peu, tu sais. Y a-tu bon choix, Gilbert? Il est très très cool. Oui, oui. L'année passée, puis cette année en plus, on a mis des auteurs dessus. En fait, l'année passée, c'était juste un one shot. Ouais. Puis ça a très bien été, mais tu sais, c'était des gens de l'industrie. Tu sais, c'était souvent les big boss qui venaient voir ça, pis qui étaient impressionnés qu'ils fassent ça. C'était très style conférence. Ouais, c'était plus une conférence. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est pas un show d'humour, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est jamais prétendu être un humoriste, loin de là. Bon, ouais. Mais il a tellement pogné un trip qu'il a dit, hey man, j'ai envie de le tester encore, mais genre le roder, tu sais. Tester des affaires pendant 7 soirs. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, le gars, il a 62 ans. Ouais. Il pourrait s'en foutre totalement. Ouais. Mais il décide de y aller, puis plonger, puis jouer au cabaret du quatrième. Comprends-tu? Puis avec 100 personnes, puis c'est le trip, tu sais. Puis là, on a mis comme un ou deux auteurs avec lui qui sont en train de puncher des affaires pour l'aider, fait qu'il va tweaker des choses, tu sais. Fait que c'est un beau, tu sais, il a embarqué dans l'idée artistique que j'avais, qui était un festival de prise de risque. Okay. Tu sais, on y va, pis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Tu sais, les gens, les artistes qui viennent, ils prennent un risque. Ça va-tu marcher ou pas, c'est pas grave. Le public aime ça, tu sais. En parlant de prise de risque, on a des appels, nous, mais on sait pas c'est qui. Alors, on va d'essayer des raies. Oui, bonjour, ici Patrick Lafrance, président directeur général du groupe Tazar. Je sais pas si tu connais. Patrick Rozon, es-tu familier avec le groupe Tazar? Tazar, non, je pense qu'ils sont très connus par contre. Et bon, ben oui, c'est un c'est comme... C'est un peu le ZooFest de Facebook. Ah, le groupe Tazar, c'est Patrick Lafrance, qu'on a un bout de fil, qui avait comme créé son propre Facebook. Finalement, n'a pas connu le succès escompté, mais qui est juste pour un gel à pâte, qu'y a-t-il? Ben, ça, en fait, c'est que ça se fera pas du jour au lendemain, j'aurais bien compris ça. Oui. Mais ça s'en vient, on travaille fort. Je vous appelle en ce moment même de mon bunker d'été Tazar, oui, qui est situé juste à côté, en fait, à un coin de rue d'une piscine municipale. Ah. Donc, je passe l'été là et je peaufine un peu le groupe Tazar. Et j'avais 3 questions à poser à M. Rozon. Ben, allez-y. Oui. Alors, première question, Patrick, est-ce que tu veux fleurir ou tu veux dépérir? J'aimerais ça fleurir. Ça serait, pour moi, c'est important de fleurir. C'est sûr que le choix n'est pas très, très déchirant. Mais bon, j'ai quand même hésité. C'est la bonne réponse. Merci. Deuxième question, est-ce que tu as entendu les rumeurs comme quoi je battais ma femme? Écoute, ben j'ai jamais eu pas en parler à la radio. Oui. Je vais dire non, vu qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est quoi ça? C'est exactement, c'est aussi la bonne réponse. J'aimerais spécifier qu'en fait, c'est parce que ça n'est jamais arrivé. Ces rumeurs sont fausses. Je voulais le démentir. Tant mieux, Pat. J'espère que la troisième question est meilleure, là. Mon Dieu. La troisième question, est-ce que tu serais partant pour t'associer avec moi et qu'on forme ensemble le groupe Tazoufest? Écoute, on m'appelle Monsieur Partenariat. Fait que c'est clair qu'il faut qu'on se rencontre, qu'on aille manger ensemble parce que ça pourrait être une possibilité. Ben ouais. Bon, bien, c'est parfait. Alors, hors d'onde, tout à l'heure, je vais laisser à Julien le code d'accès au bunker d'été Tazar. Parfait. Et je t'attendrai cet après-midi. Génial, ben j'y serai. Ben, merci beaucoup, Pat. Merci. Ça me fait plaisir. Voilà. Oh, bon, je vais couper court un peu. Hey boy. Fait que c'était... C'était bien sûr Patrick Lafrance du groupe Tazar. Tu colleras ça. Bon, juste une bonne question à part ça. Quel show à voir cet été?
Oh my god. Écoute, la force de ZooFest, c'est 150 spectacles. Mais il y a moins de... Ouais, c'est vrai, je voulais demander ça. Y a... Là, vous avez pris la décision qu'il y a moins de spectacles cette année. Ouais, ben en fait, il y a moins de spectacles, puis on a... En fait, ce qui était intéressant au niveau du ZooFest, c'est qu'avant, il y avait plein de spectacles, puis il y avait plein de tests aussi qu'on prenait, mais à mon avis, il y avait trop de spectacles. Parce qu'à un moment donné, les gens, puis même pour les artistes, parce qu'à un moment donné, quand t'as trop de choix, à un moment donné, il y a un nombre de publics qui peuvent venir. Fait que tu te ramasses avec des salles de 2, 3, 4 personnes, c'est hyper stressant pour les artistes, pour nous, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben, réduisons le nombre de spectacles, allons chercher de la qualité, puis travaillons sur des partenariats puis des shows concepts où tous les artistes peuvent quand même jouer dans ZooFest. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'on a réussi à créer avec tout le monde, tu sais, le plus possible. Puis écoute, cette année, ça fait c'est jour 3 aujourd'hui, puis déjà les deux premières journées, c'est assez incroyable, tu sais. Il y a toujours des choses à améliorer, tu sais. C'est jamais fini. Sauf que là, l'énergie est incroyable. T'sais, à jour 1, tu sentais dans la salle le buzz, les gens nous parlaient, ils étaient contents. Puis c'est vraiment le fun, tu sais. Nous autres, hier, on participait au show 3X. C'était notre première au Catacombe avec Guillaume Pinot, Sam Breton, puis il y avait les grandes crues. D'ailleurs, peux-tu décrire ton numéro à Patrick? Ben t'étais là. J'étais là. Ah, mais t'as pas vu le deuxième? Non, j'ai pas vu le deuxième. Bon, ben j'ai vu le dildo show. Ouais, c'est ça. Mais on peut pas vendre. Je peux pas vendre ce punch là, mon beau Julien. Parce que ça comprend. Mais, ça comprend Dominique qui reçoit un coup de marteau sur la tête. Ouais. Puis en gros, l'énergie dans la salle, moi j'avais un peu peur du fait que c'est le début du festival, tu sais, là le monde est-tu déjà en mode ZooFest, puis fait qu'il y avait de l'énergie dans la salle, là, c'était vraiment intense, puis c'est parti, c'est ça, on a fait comme, c'est vraiment starté pour vrai là. Exact. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que cette année on est une semaine avant le festival, juste pour rire, puis on termine en même temps. Puis moi, ça fait 2 ans que je me mets en disant, c'est pas la même crowd, c'est pas le même monde, on s'en fout, je pourrais être en août, je pourrais être en juin, puis ce serait la même énergie, la même crowd qui viendrait. Puis là, je suis en train de le prouver. Parce qu'avant, on était une semaine après, puis ça marchait correct. Là, on est une semaine avant, puis on a full de ventes de billets. Puis maintenant, on est tout seul. Puis ce qui est cool, c'est qu'on est tout seul à un moment donné. Là, le jazz finit ce soir. Juste pour recommencer samedi prochain. Fait que là, je trouve ça le fun, ce test-là, d'être une semaine, il y a juste ZooFest. Fait que comment qu'on voit le crowd qui s'en vient pendant la semaine, qui reste, puis pour l'instant, en vente de billets, on le voit. Fait que je suis vraiment content, tu sais. On commence tranquillement à se défaire de, tout le monde disait, oui, mais t'as besoin de juste pour rire, la crowd de juste pour rire, pour qu'ils viennent. C'est pas en tout le même monde, t'sais. Ouais, je pense pas que ce soit le même monde, non. Pas du tout. Je me renseigne pas du tout sur la programmation juste pour rire. Mais c'est ça, exact. Tandis que ZooFest, bon, on check ça tous les jours. Oh non. Voilà, ben, c'est comme ça, des Hey, salut la gang. Salut. C'est moi. C'est Mathieu Niquette? Oui. Ah, bon. Mathieu. Salut Mathieu. Ben, toi, Mathieu, tu connais bien Patrick. Hey, je le connais bien certain. Ce gars-là, il me donne de la job. Ah, ben, c'est précieux. Oui, c'est ça. Mais t'en as-tu donné cette année? Hein, comment? Il t'en a-tu donné cette année? T'as pas eu le temps. Ben, je pense qu'il aurait peut-être voulu m'en donner, mais c'est moi qui ai choqué. Puis c'est pour ça que j'appelle, en fait. Ah. Je veux m'excuser. Fab. Ouais. Je veux m'excuser de pas être là pour toi cette année. Ben, écoute, c'est gentil que tu le fasses en onde. Je trouve ça... j'ai encore de la misère à l'avaler. Mais au moins, je me rends compte que quand même 100 000 personnes qui l'entendent, ton excuse, fait que c'est quand même pas pire. 100 ou 100 000, là. Ben, c'est ça que Matt m'avait dit. Ouais, faut que tu... Pourquoi, 100 000! Pourquoi vous avez menti à Patrick, les gars? Ben non, mais t'aurais dû le voir tantôt, il était d'une colère noire quand il parlait de toi, là. Je n'ai jamais vu quelqu'un fâché de même. Je vais réécouter ça tantôt. Hey, mais j'ai une mini chronique de 30 secondes. Vas-y. OK, c'est le top 5 des personnes les plus cool de Décidérès. Ah. OK. Oui, donc. Vous êtes prêts? OK. Ouais. Numéro, aidez-moi là. Numéro 5. 5, OK. Numéro 5, un ex-aequo pour commencer. Non. C'est Al et Sophie. Ah. Okay. Mais oui. Parce que vu qu'ils sont mariés, c'est comme une seule et même entité. C'est maintenant. Mon couple préféré, moi. Ouais. Moi aussi, c'est mon couple préféré. Ben, moi tout. Plus j'apprends à les connaître, plus je trouve. En plus, Al est un fan de lutte. Ah. Ben exactement. Fait que ça lui donne des points de coolness dans le tapis. Puis ils sont mariés, mais c'est correct. Ouais, effectivement. Ben, c'est rare, correct. Ça. C'est pour ça qu'il explique. C'est ça aussi qui explique qu'ils sont numéro 5 et pas plus haut. C'est que le mariage, c'est un peu dépassé. Fait que, mais c'est cool quand même. Les autres sont cool. OK. Et maintenant, numéro... 4. Yes, j'aime votre entrain. Numéro 4. Un autre ex-aequo. Les Picbois. On dit les gars des Picbois. Ah, bon, okay. Ben oui, parce que les autres aussi sont indissociables. Ils sont presque un couple. Mon couple préféré, ça. Moi aussi. Oui, absolument. Moi aussi.
Les autres sont juste en avant de queer préféré. Exact, fait que c'est ça, ils sont en avant de Sophie Pial justement parce que c'est un couple queer, ce qui est très à la mode ces temps-ci, et ils sont pas mariés. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un petit avantage sur l'autre couple. Ah, voilà. Maintenant, numéro 3. Yes, numéro 3. Numéro 3, Julien Bernatchez. Ah, ok. Oh. Ah, cool. Oh, c'est numéro 3, il y en a peut-être qui l'attendaient un peu plus haut. Ben moi, je m'attendais numéro 1, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça qu'on attendait peut-être. Ben, je pense que la première position, c'est Nicolas. Ben, attendez, on n'est pas rendu là. Okay. Alors, avant, on est rendu au numéro... 2. Numéro 2. Le numéro 2, attention. Toi? Murphy Cooper. Ah, OK. Oh! Oh. Ouais, évidemment. Oh! Oh. Là, peut-être qu'il y en a qui ont dit, c'est pas Julien, ça doit être Murphy. Mais non, c'est pas Murphy. Murphy. Parce que le numéro... 1. C'est... Patrick Rozon. Il y avait un lien avec l'invité, finalement. C'est génial. Vois-tu comment je vous ai envoyé une balle curve? Ah, c'est bien joué. Ben, Pat, t'es officiellement le gars le plus cool de DCDR. Et t'es officiellement dans l'équipe. Ben oui, à tous les samedis, je vais être ici maintenant. Ah, je viens d'embarquer, c'est parti. Si tu fais des chroniques, Patrick, tu feras à quel sujet? L'humour? L'humour, le cinéma... Star Trek. Évidemment, oui. Ouais, non, avez-vous parlé de cinéma un peu? Parce que Pat, il en connaît tout un tas là-dessus. On a parlé un peu de Star Trek, là. Ouais, t'écouteras l'émission. Ouais. Yeah! Non, mais je peux pas, j'étais à job, la gang. OK, ben écoute. Ben merci beaucoup, Mathieu. Hey, ben je retourne travailler, la gang. Hey, merci, Matt, bonne journée. Merci. Boy. Bye, la gang. Bye. Bye. Ben, moi, disons, je suis d'accord avec le premier, là, mais entre le 2 et le 3. Ouais, il y a peut-être de quoi à switcher, en tout cas, ça reste à voir. Mais quand même plus connu que Murphy. En tant que. Je suis pas certain, mais. En tant qu'artiste du ZooFest, là, appelons ça comme ça. Oui. Moi, ce que j'aime le plus de ce festival-là, c'est que, tu sais, Dom pis moi, on passe l'année dans des soirées, tu fais un numéro, t'es devant un public qui est pas là nécessairement pour toi, pis t'écris aussi en fonction de ces gens-là que tu dois faire rire. Mais quand arrive le ZooFest, tu sais, c'est comme si on était chez nous, là. Tu sais, c'est comme, ça va être notre salle, vous arrivez dans notre univers, c'est un show dans lequel on ouvre les valves à fond la caisse, ouais, chose qu'on peut pas nécessairement faire devant tous les publics. Puis là, on sait que les gens qui viennent, c'est des gens qui sont là pour ça, tu sais. Puis honnêtement, point de vue création, c'est le plus beau thrill qu'on peut avoir nous autres, tu sais. On a jamais à se poser la question de on monte-tu nos pénis ou pas? entre autres, mais tu sais, ça peut être ça. Dans le cadre du ZooFest, j'ai souvent montré mon pénis, je veux dire. Mais tu sais, ne serait-ce que nous autres, souvent, on joue sur au deuxième puis même troisième degré, là, tu sais, que tu sais même plus sur quel pied prendre ça. La chanson thème de Chris Benoit, entre autres. Ben, tu vois, mais c'est le genre de gag que normalement, d'une soirée, les gens comprendraient pas, mais là, on ouvre les valves à 100%, puis ça, c'est cool. C'est comme le gros bonbon qui arrive dans l'été. Mais c'est ça qui est fun, tu sais, parce que c'est ta seule but aussi, c'est que c'est très créatif, tu sais. Puis les gens qui viennent à ZooFest souvent présentent du nouveau matériel, du stock qu'ils testent, puis sont même pas sûrs si ça marche pas, puis ils rodent en même temps, puis le public est prêt à ça. Fait que tu sais, ils savent que quand tu viens voir un show, ça se peut que ça aille mal, mais tu as eu du fun. Ouais. Ça se peut que ça aille super bien, puis tu vas une exclusivité avant tout le monde. Mm. Fait que c'est ça l'avantage, tu sais. Fait que t'es toujours gagnant. C'est ça le but. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de festival. Ouais. Est-ce qu'il y a encore le volet de théâtre cette année? Oui, en fait, il est même plus gros cette année. Ah ouais, ok. Ouais, pour être un gars de théâtre, moi, je trouve ça important aussi que. Parce que l'humour est très solide, tu sais. À ZooFest, ça marche très fort. On associe surtout ZooFest à l'humour. Voilà, exact. Fait que là, cette année, c'est aussi de dire comment on fait pour l'année multi-artistique. On a rajouté un volet de théâtre. Avec 5 pièces qui sont vraiment cool, des anciens du conservatoire d'École nationale qui viennent présenter des choses ou des finissants. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y en a une des pièces qui est vraiment cool, qui s'appelle Conversation avec mon pénis. OK. Qui est vraiment une pièce. Ça m'intéresse, ça. Non, mais ce qui est cool, c'est que c'est une pièce qui a fonctionné vraiment bien à Londres. La jeune compagnie de théâtre a acheté des droits qui ont traduit en québécois. OK. Puis qui présente en première à ZooFest. Ah, ça a l'air nice. Fait que c'est vraiment cool. Le volet théâtre est vraiment le fun. Petit crime contre l'humanité qui commence ce soir, en fait. Mais... avec Olivier Barrette, le fils de Michel Barrette. Oui, on l'aime beaucoup. Ouais. Puis le volet musique aussi a pris quand même son envol où on s'est associé avec le M pour Montréal. Il y a un volet musique au ZooFest? Ouais. Depuis depuis cette année. Je savais pas. Non, mais l'année passée, il y en avait une. Il y avait Croy qui avait fait une prestation. Il y a quelques années, il y en avait eu aussi. Un peu, c'est ça. Puis cette année, on veut aussi de l'augmenter. Tu sais, que ça devienne vraiment un festival multi-artistique. Ouais. Puis. Sculpture. Oui, exact aussi. Oui. Ça, je te dirais qu'il faut le. On est encore reste à travailler. Le volet sculpture. Une sculpture peut-elle être terminée? Hein? On la travaille toujours. Non, je pense qu'elle peut être terminée, Maxime. En fait. Il faudrait. Ouais, c'est ça. Ça va m'amener.
Bon, c'est fini. Non, mais c'est ça. Fait que M pour musique, M pour Montréal, en fait, qui ont fait M ton zoo, qu'on va préparer, puis M pour mes nuits, puis le FME aussi, le Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda, où ils ont créé un concept vraiment cool, où tu as une application, puis tu as des pop-up qui te disent, mettons, quand je suis allé à Rouyn-Noranda, puis c'est ça, tu marches dans la rue, puis en plus, c'est un peu fou à Rouyn-Noranda, parce que c'est comme s'il n'y a plus de règles quand il y a le FME en début septembre. Le monde boit de la bière dans la rue, les policiers boivent la bière avec le gars dans la rue. C'est un peu sauté là-bas, là, comme un autre monde. Mon Dieu, chacun sa police, hein? Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment intense. Mais ça a l'air qu'il y a des places où ça brasse un peu plus. Ouais, c'est pas comme ça ici, Non, c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est que tu as un pop-up à un moment donné qui dit, OK, ben dans 30 minutes, Louis-Jean Cormier va faire un acapella dans Ruelle, Fait qu'on va, le 22 juillet à Zoufest, on fait ça. Fait que les gens qui ont l'application vont avoir un pop-up entre midi puis 8 heures, puis il y a 4 artistes qui vont jouer dans différentes places à Montréal. The Police. On avertit ça. Sting, Peter Gabriel. Mais son secret, là. C'est vrai. Peter Gabriel dans une ruelle. Avec son drum. Bon, ben, salut tout le monde. Thank you, Zoufest. Thank you, Zoufest. Je vais faire un petit 15 minutes. Fait que là, si Zoufest devient aussi indépendant, juste pour rire, c'est qu'en 2020, supposons, Zoufest pourrait être en février. En février, non, parce que je vais laisser Mobilo prendre sa place là. Ah, ben oui, d'accord. Ouais, comment Zoufest voit ça, ces entreprises-là? Moi, c'est une bonne question, Ouais, c'est une très bonne question, puis c'est pas la première personne qui me la pose. Puis, tu sais, moi, j'ai aucune... Tu sais, Zoufest, c'est vrai qu'il était très reconnu humour. Je suis en train de l'amener multi-artistique, puis avec une direction artistique, puis avec des shows concept, puis une ambiance qui fait son sien, tu sais, qui existe à lui. Moi qui ai d'autres soirées d'humour, d'autres festivals d'humour comme le Minifest ou comme tu sais le Minifest on s'est parlé là. Il y a personne, il y a pas d'animosité. C'est drôle parce que les médias en mettent en disant comme oh my god, c'est une compétition directe, c'est terrible, c'est la mort de tout le monde puis mais je veux dire à un moment donné tous les artistes ont besoin de jouer puis c'est le fun. Puis tant mieux que tu sais le but c'est qu'il y ait des festivals à l'année là. Ben oui. Je veux dire à Edinburgh, il y a 8 festivals en mois d'août. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est capable, nous, je pense, de créer cette ambiance-là. Faut juste que chaque festival trouve sa niche et trouve sa personnalité. Ouais. Mais à un moment donné, ça marche, tu sais. Ben, la majorité des gens qui ont participé au Minifest participent aux Zoufest. Exactement. Aussi, comme le Mobilo, même chose aussi. Tu sais, c'est la même gang qui sont là aussi. Fait que, tu sais, c'est pas, y a pas une compétition, au contraire, tu sais. OK, d'accord. Puis plus les gens consomment du monde, plus ils vont en consommer. Et voilà. C'est pas, Et voilà. Plus de questions, là. C'est quoi les artistes avant? C'est pour ça que c'est des passions de 3 minutes ailleurs. Ça fait 20 minutes, là. On a bien jasé. On a un appel de Pat La France. Ben, je dirais en terminant, les incontournables, là, cet été, pour Pat. Je sais que c'est déchirant, Le show Malade Mental, show concept, Alexandre Bisaillon qui a différentes personnes dessus, où ce que les humoristes parlent des différents types de maladies qui existent. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est vraiment cool. Ouais. Le cégep en spectacle des Pic-Bois. Oui, évidemment. Yes! 15, 22, 29. Qui est vraiment cool aussi. Ah, c'est très, j'adore ce cégep en spectacle. Fait que je trouve ça fun. Ben, je pense que tu vas aimer ça. J'ai eu le privilège de voir déjà les numéros. Puis c'est vraiment très cool. Ah, hein? C'est apprécié. J'ai hâte que le monde. Je peux-tu être dedans? Oh, ouais, OK. C'est pas plus compliqué. On est en train de le monter, là. Ben, ouais, c'est ça. Ben, ouais, La saga des étoiles de Jérémy Larouche qui est fan de Star Wars. Je l'ai vu hier. Je l'ai assisté au spectacle au complet hier. C'est incroyable. En fait, c'est une performance. Ça devient comme un peu une suite du show des bébelles, un peu. Ouais, exact. Il a fait 200 figurines, quoi de même. C'est incroyable. Le temps qu'il a mis là-dedans, puis écoute, le temps qu'il prend après pour serrer son stock, c'est un peu malade mental. Mais les bonhommes sont géniaux. L'histoire est cool, mais c'est vraiment une performance. Passer les 6 épisodes en 60 minutes, là. Tabarnouche, il est tout trempé à la vie. T'as chaud pour lui, là. Trempé au complet. Je te dirais qu'au niveau musical, le M Ton Zoo, on a 3 DJ vraiment cool qui va être sur l'esplanade de la place des festivals, qui va être vraiment le fun. Théâtre, Conversation avec mon pénis, Petit crime contre l'humanité, des shows qui vont être vraiment, vraiment cool à être là. C'est vraiment le concept cool de Zoufest, c'est que tu peux voir 4 shows dans une soirée. Ben c'est ça que les gens font généralement. Ils se promènent, ils restent, fait qu'ils se prennent une passe ou ils roulent ou ils s'achètent des billets. Fait que tu sais, puis le spot Zoufest qui ouvre du 16 au 30 avec Bouffon Montréal, on s'est jumelé avec eux parce qu'on se disait qu'est-ce que nos artistes et notre public aiment, c'est manger puis boire. Fait qu'on s'est dit parfait, on fait le spot Zoufest avec Bouffon Montréal. Fait que du 16 au 30, il va y avoir des spectacles là-dessus, mais surtout, c'est surtout un endroit chill pendant 15 jours de temps où les gens vont venir manger, boire, puis aller au show, revenir et vraiment chiller, puis les artistes vont être là aussi. Vas-tu avoir du sport effiloché? Ouais. Ah, ça, c'est François Chartier va être là, il va faire un drink Zoufest. Est-ce qu'il va y avoir de la bouffe végé?
Oh, bonne question. Merci, Max. C'est une très bonne question, mais je pense que oui, généralement. Ah. Végétalienne, ça, je suis pas sûr. Mais peut-être, écoute, peut-être, je connais pas, c'est pas, non, c'est pas pour pas, pas, pas. Oui, là, 80% des Montréalais sont végétaliens maintenant, là. Non, c'est vrai, mais je fais partie de 20%, moi. Fait que c'est le porc effiloché pour toi. Oui, c'est ça, exact. Connais-tu le show cardio Tyros? Non. Non, c'est un show aux oufesses. Ça fait quelques années. C'est en quelle année? Ça fait 4 ans, 5 ans, 4 ans. Le temps passe pas vite. Ben oui, je sais. Mais j'avais fait ce show-là aux oufesses et on a fait 4 soirs, mais un soir que personne s'est présenté. C'est vrai? Alors ça fait qu'on l'a seulement fait 3 soirs. Ça n'a pas connu un grand succès. Mathieu Niquette était venu, j'étais allé le voir avec Mathieu Niquette, puis après 20 minutes, Mathieu Niquette a fait « Bon, moi, je m'en vais. » on s'est planté un peu là-dessus. C'est mais vrai, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas marché. Mais on pensait peut-être un revival pour les 5 ans l'an prochain. Ah, peut-être. Si vous l'acceptez. Là, ben oui, écoute, on va aller discuter dans le bunker. Cardio Tyra, ce serait un privilège. Ben, écoutez, ben merci beaucoup, Patrick. Ben, merci d'avoir reçu. Merci, Murphy. Merci beaucoup. Oui, merci d'être livré. D'être livré avec tant de franchise, d'avoir accepté notre invitation ridicule, d'avoir répondu aux appels téléphoniques. Oui, c'est ça. ça fait plaisir, c'est le fun. T'es le membre maintenant le plus cool de Décideret, puis bien sûr, on attend ta chronique samedi prochain. On veut te revoir chaque semaine. Merci, Pat. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci, Maxime. Hey, klaxon. Merci, Murphy. Absolument aucun problème, Julien. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine, les amis. Bye bye.